Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons ouvrir deux coffrets de jeux de construction de la Pat' Patrouille. Il y a le premier coffret qui est celui de Stella et le deuxième qui est celui de Ruben. Voici le dos des deux boîtes qui montrent ce que l'on va construire avec ces deux kits. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir le premier, celui de Stella. Donc on a un gros sachet ici avec des blocs verts et marrons. Des autocollants. Et ici, on a un deuxième sachet avec des blocs marrons. Et voici Stella, toute mignonne, très bien faite, avec ses jolies couleurs. Mais par contre, elle n'a pas d'articulation. Donc, c'est juste une figurine décorative. On va tout de suite commencer par assembler le singe. Voici sa tête. Donc, on va prendre les deux blocs, le troisième ici, le quatrième, le cinquième. On va mettre la tête par-dessus et notre singe est prêt. C'était très facile. Maintenant, on va mettre les autocollants. Et voilà, le singe est prêt et il a été fait en un rien de temps. Et maintenant, nous allons préparer l'étal des fruits et légumes avec tous ces blocs de couleur verte et marron. Et on va tout de suite commencer par ceci. On va mettre les deux marrons ici, celui-ci sur le dessus, ensuite le vert. Voilà, on a déjà la base de l'étal, on met ces deux-là sur le dessus et ensuite ces deux-là et on va aussi en mettre derrière, voilà, et par-dessus on va mettre celui-là avec le marron et notre étal de légumes est prêt. Il ne reste plus qu'à ajouter l'autocollant, le voici. Et on va le mettre sur le bloc marron, juste là. Et voilà, le jeu de Stella est prêt avec le singe et l'étal de légumes. Et maintenant, nous allons ouvrir la seconde boîte, celle de Ruben. Alors, voyons voir. On a un sachet ici, avec les mêmes couleurs, des autocollants. Et un sachet avec des blocs blancs et noirs. Et il y a aussi une figurine de Ruben. La voici, et lui aussi n'a pas d'articulation, mais il est très bien fait, et il a hâte qu'on commence à construire son jeu. Alors, c'est parti, on va ouvrir ce sachet avec les gros blocs marrons et verts. Et on va tout de suite commencer à construire le pont. Car il s'agit bien d'un pont sur lequel il y a des tortues qui ont besoin d'aide. Et Ruben va venir en aide à ces pauvres tortues. Donc on continue avec ce gros bloc marron et celui-là à côté. Voilà, et notre pont est prêt. Il y a aussi ces blocs blancs et noirs. Et on va utiliser les blocs blancs pour les tortues. Donc les blocs blancs représentent les tortues. Et il y en a 4 en tout. En voici une et en voici une autre. Et je vais faire la même chose avec les autres. Et on va mettre les tortues sur le pont. Et les pauvres tortues, elles ont besoin d'aide. Et heureusement que Ruben est là. Et Ruben ne tarde pas à leur venir en aide. Heureusement qu'il est là. Voilà, c'était les deux jeux de construction de Ruben et de Stella. Dans le kit de Stella, il y avait un singe. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez m'expliquer quel est le rôle de ce singe? Il y avait aussi un étal de fruits et la belle figurine de Stella. Et dans le deuxième kit, il y avait bien sûr la figurine de Ruben, mais aussi de pauvres tortues qui appelaient à l'aide car elles étaient sur un pont énorme et duquel elles ne pouvaient pas descendre.
Heureusement que Rouben est venu leur porter secours. Et voilà, c'était les deux kits de Megablock Sionix de la Pat Patrouille. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.